Bonjour à tous, Franck Sauzé et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce match. Oui, bonjour, bienvenue à tous. Pour cette rencontre, deux équipes qui se valent sur le plan technique. Oui, deux groupes très proches l'un de l'autre, difficile de dégager un favori. Et ce stade de King Power situé à Leicester qui ne sert pas uniquement au foot. Non, c'est vrai qu'on y joue aussi au rugby, hein, surtout pour les Coupes d'Europe. Leicester est un haut lieu du rugby. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Et ces joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3. Les joueurs de l'équipe de Swansea City et l'entraîneur qui estime que le match va se jouer au milieu si l'on en juge par le 4-5-1 qu'il a mis en place. Un mot sur l'équipe qui reçoit dans ce match. L'équipe sait qu'elle aborde la phase la plus délicate de ce championnat. C'est elle qu'on attend maintenant, c'est elle que tout le monde doit s'imposer en fin de saison et il faut savoir gérer ça. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de ce match. Wes Morgan. Daniel Simpson. Ryan Mahrez. Kanté. On s'approche du but. Leonardo Ulloa. Corner. Oui, il l'a trouvé. Et au centre. Léon. Oh, il attrape le montant. Ouais, la passe est mal ajustée et il récupère un ballon facile. Alberto Paloschi. Albrighton. Albrighton. C'est dégagé. C'est une touche. Okazaki. Et l'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. Combinateur. Okazaki. Oh, il y a un coup à jouer, il a du soutien. Alberto Paloschi. Converteur. Allez, faut centrer, c'est le moment. Ah, il a vu qu'il n'était pas tout seul. Riyad Mahrez. Oh, l'arrêt. Oh, quel plongeon superbe. Et la défense concède donc le corner. C'est dégagé du point. André Ayou. Angel Rangel. Leroy Fer. Ouais, ils ont des bonnes possibilités là en attaque. Il vient lui subtiliser le ballon. Albrighton. Il récupère le ballon, c'est le contre.
C'est bien parti. Et l'arrêt du gardien. Bonne prise de balle. André Ayou, il s'avance vers la surface. Après cette petite phase de... Et ce sera un coup franc. Il le joue rapidement. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. Oh, c'est parti! Pas de problème pour le gardien de cette distance. Mais vous savez, Hervé, qu'il a déjà marqué de là. Il a eu raison de tenter sa chance. C'est pas faux. Riyad Mahrez. Il prend sa chance. Un but tout en finesse. Admirer une fois de plus tout le sang-froid et la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Ouais, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, ça paraît tout naturel. Et ce but, cette fois-ci avec une autre caméra. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Un beau duel en perspective. Riyad Mahrez. Ouais, bonne intervention, il récupère ce ballon. Taylor. Ouais, c'est très bien taclé ça. Sigurðsson. Il concède un corner. Attention à cette occasion. Le but qui permet à cette équipe de faire la différence pour le moment. On le revoit. Ouais, sans problème là pour le gardien. Attention, attention à ces coups de pied arrêtés. Okazaki. Lukas Fabianski. Wes Morgan. L'arbitre a sifflé. Que va-t-il faire? Ah, ce coup franc a joué rapidement. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Ce sera un corner. Ah, il boxe ce ballon. Riyad Mahrez, le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Corner, dit l'arbitre. Mi-temps, c'est la mi-temps ici. Léger avantage donc au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Bon, bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période. Sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon. Eh bien, c'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause. Ça reste quand même le fait marquant de cette première période. L'entraîneur qui fait rentrer un joueur en pleine crise de confiance. C'est bien de lui donner un peu de temps de jeu. Il n'y a que comme ça qu'il retrouvera son meilleur niveau. C'est reparti donc pour la deuxième mi-temps de ce match. André Ayou. Animateur. Okazaki. Daniel Simpson.
Regardez-moi cette succession de passes. Ah oui, le centre. Leonardo Ulloa. Voilà la défense qui se dégage. Bien joué. André Ayou. Robert Huth. Le prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Kanté. Ayad Mahrez. Ah, il a vu qu'il n'était pas tout seul. Oh, le tir. Arrêt du gardien qui bloque. André Ayou. Ayad Mahrez. Ouais, excellente intervention du défenseur. Bien joué. Alberto Paloschi. Taylor. Ouais, très bon tacle. Ayad Mahrez. Oh, il s'y lève là. Il décide de prendre sa chance. Oh, là-bas, attention, ça continue. Sigurðsson. Oh, l'arbitre qui ne peut pas éviter ce ballon. Angel Rangel. André Ayou. Un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Daniel Simpson. Albrighton. Ouais, le duel. Kanté. Daniel Simpson. Ça joue très collectif, c'est magnifique. Le ballon change de camp. Kanté. Coup de sifflet de l'arbitre, un carton peut-être. L'animateur. Ah, il va pouvoir relancer maintenant, c'est parfaitement fait. Robert Huth. L'animateur. Christian Fuchs. Attention, attention à ce coup franc qui sera bien placé. Leonardo Ulloa, ouais, c'est touché par le gardien, mais ça rentre. En tout cas, c'est l'équipe qui a le plus tenté, hein, qui a récompensé. Les deux équipes sont proches et pour l'instant, je crois que ça se joue à l'envi. Et tout y était sur ce coup de tête. La précision, certes, mais aussi la puissance. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Ils ont à présent une avance confortable. Britton. Okazaki. Leon Britton. Eh ouais, le ballon qui circule bien. Britton. Animateur.
Oh, elle fait du bien cette interception. Touche. Ayane Mahrez. Routledge. Oui, il y a du monde autour de lui. À lui de faire le bon choix maintenant. Christian Fuchs. Ah, voilà, bien sûr, il suffit de le dire hein, pour que le contraire se passe. Ayane Mahrez. Un arrêt très net du gardien. Pas de souci. Et la voilà, la frappe. Oh, il y est. Allez, ça fait un doublé. Un doublé pour le joueur. Et ils enfoncent un peu plus le clou durant les arrêts de jeu avec ce but supplémentaire. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et toujours pas de réaction en face. Allez, on n'ira pas plus loin, c'est fini. L'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. J'ai quand même un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de match. Vous partagez mon analyse, Franck ? Oui, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain, Hervé. Elle était plus forte dans tous les compartiments du jeu. Comme je dis souvent, ils auraient pu jouer toute la nuit, qui n'auraient jamais été inquiétés. Ah, il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. Oh, un très bon match pour lui, hein, avec un doublé. En plus, la victoire vient récompenser ses efforts. Belle satisfaction pour lui.